Bonjour, bienvenue à l'émission Paranoïse sur Alien TV. Mon nom est Gilles Milot. Je suis président de l'Association québécoise d'ufologie et également responsable de Parascience Québec. C'est une émission qui va passer sur une base mensuelle, qui va traiter des sujets aussi variés que l'ufologie et des sujets qui sont reliés au paranormal. Pour cette émission-ci, j'aimerais vous entretenir sur un sujet que nous, chez l'Association québécoise d'ufologie, traitons avec le plus grand sérieux, c'est la réception d'ondes radio qui s'est confirmée par les ondes optiques, par l'astronomie optique. Alors, les deux personnages impliqués sont M. Peter Chesley puis M. Guy Jasmin. Peter détient une connaissance assez profonde en radioastronomie et a chez lui une coupole qui est basée sur 3,5 GHz. Et Guy Jasmin, lui, est un spécialiste en photo astronomique. Et Guy est équipé également d'un télescope, un Schmidt-Cassegrain 10 pouces. Alors, le travail qu'on fait présentement, c'est que Peter Chesley reçoit à son radiotélescope des ondes radio. Alors, ces ondes radio-là sont immédiatement envoyées à Guy Jasmin. Et Guy Jasmin, avec son télescope, il doit essayer de voir ce que Peter reçoit. Donc, en autre mot, Peter, c'est les oreilles. Guy, ce sont les yeux. C'est les yeux. Alors, s'il peut identifier qu'est-ce que Peter a reçu comme onde radio, alors on peut trouver des choses excessivement intéressantes. Le problème que nous avons, présentement, on travaille sur un sujet assez spécial qu'on peut appeler l'objectif Lune. Des émissions d'ondes radio en provenance soit de la Lune, soit à côté de la Lune, soit entre nous et la Lune, mais il y aurait quelque chose là. Alors, le problème auquel on faisait face, c'est que les ondes radio captées par Peter, Guy avec son télescope, avait des difficultés à essayer de percevoir quelque chose. Alors, connaissant Guy, il a décidé de se procurer des lentilles infrarouges dans lesquelles, quand il installe ça, son télescope lui permet de déceler toute chaleur puis à des distances assez considérables. Alors, maintenant, suite à ça, pour arriver à une bonne calibration ou quelque chose du genre, un bon travail, Guy a fait ce qu'on appelle, on peut faire ça des essais, des tests. Donc, il a été sur le soleil, il a pris le soleil en infrarouge, il a également été sur Sirius avec l'autre étoile qui l'accompagne. Et les résultats semblent quand même assez bien, assez convaincants. Alors, la prochaine étape va consister à analyser les sons que Peter reçoit, que vous pouvez entendre en arrière-plan, et également, avec le télescope, prendre des photos en infrarouge et voir qu'est-ce qu'on pourrait capter, qu'est-ce qui pourrait devenir très intéressant. C'est un projet qui est en cours. On n'a pas encore les résultats, mais on espère très fortement avoir quelque chose de concret. Ça nous amène un peu à tour d'horizon à ce que l'Association québécoise d'ufologie fait. C'est une facette, une partie qui est excessivement intéressante, dans le sens que rarement on peut voir des associations ufologiques toucher cet aspect de l'ufologie. Cette recherche-là, menée par nos deux compères, Peter et Guy, on fait en sorte que ça a amené l'ufologie, l'Association québécoise d'ufologie, sur la carte. Et Peter est une personne excessivement reconnue, autant aux États-Unis qu'à l'Académie des sciences de Moscou. Il a été appelé à plusieurs reprises à donner des démonstrations. Et ses travaux dans le projet Argus de CETI sont reconnus parmi ses pairs là, d'une façon assez incroyable. La clé de Peter, c'est qu'il a réussi à transformer les ondes radio en ondes musicales. Et Peter étant un musicien assez accompli, ne demandez-moi pas comment il a pu faire, je n'y connais absolument rien en musique, mais le fait, on sait maintenant, de plus en plus, la communauté scientifique et les gens qui travaillent dans ce milieu-là, on aurait tendance à penser que s'il y aurait communication, cette communication-là, de l'espace, serait d'une façon musicale. Des ondes musicales. Avec le système que Peter a inventé et créé,
qui maintenant, comme je vous dis encore une fois, je me répète, mais c'est important. Si tout le monde veut savoir comment il a fait ça, puis il était appuyé partout, à gauche ou à droite. En travaillant avec cette façon-là, on a déjà capté des ondes. Il n'y a rien de définitif présentement. On pense à Auriga 47, on pense à d'autres. Mais ça, je laisserai à Peter le soin, parce que Peter est quand même régimenté par un protocole assez sévère sur le projet Argus de City. Alors ça, je laisserai un jour à Peter l'occasion de revenir sur ce sujet-là. Pour Guy Jasmin, comme je l'ai dit au début, Guy a gagné plusieurs prix en photographie astronomique. C'est un ancien spécialiste des scènes de crime de la Sûreté du Québec, donc il sait vraiment comment calculer les choses puis comment les voir à tous les détails. Alors, Guy a pris également d'excellentes photos d'objets ou de choses dans l'espace assez étranges. Alors, donc, cet aspect-là, qui est vraiment, je dirais, je vois pas d'autres organisations qui ont cette façon de travailler-là. Elle est vraiment propre à l'AQU et nous en sommes très fiers. Ce qui n'empêche pas des autres membres que nous avons dans l'association de faire un travail remarquable. Nos directeurs régionaux, je pense à Mme Mongrain en Mauricie, Denis Baudet à Montréal, Annie Thibault à Abitibi. En tout cas, nous avons des représentants partout dans tous les secteurs de la province. Jean-Mauricie à Québec. Et ces gens-là nous rapportent des faits, des observations qui peuvent avoir lieu dans le ciel. Et on fait une analyse de ça, on fait des statistiques suite à ça, l'orthoténie par Jean Vézina. Alors, on peut appeler ça l'ufologie conventionnelle. Et on est très heureux aussi également d'avoir les vétérans de l'ufologie au Québec, dont je dirais le parrain, mon vice-président, Ricardo Melfi. Ricardo a participé à plusieurs émissions, plusieurs recherches. C'est vraiment celui qui sait tout, à fin de compte, avec nous. Alors, tout ça ensemble, nous allons mensuellement sortir des cas, discuter des cas avec vous, faire part de nos nouveaux cas, comment on a travaillé ça, qu'est-ce qu'on a fait, comment on a reviré ça, quels ont été les résultats de ces cas-là. Et j'espère partager ça avec vous quand vous êtes prêts, quand je serai prêt, on va avoir quelque chose. Je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir ensemble. Merci. Alors, sur ce, je vous dis bonjour. On se revoit le mois prochain à Paranoise. Mon nom est Gilles Milot. Je dirige l'Association québécoise d'ufologie et parascience Québec et je serai toujours là à votre service. Merci. Bonsoir.